Goethien de Surréel, suite 2. Donc, ça porte aussi le titre le deuxième Goethe, le deuxième Werther, pardon, le deuxième Werther. Par Manuel Montero et Juliette Bagué, co-performance. Goethe, perplexe, s'est fait squatter le corps par un chat arc-en-ciel. Il pisse en couleur et chante de joie. De serpent vert en Charlotte effondrée, il compose dans les étoiles une suite à son Werther, soucieux tout de même de tout ce que l'on afflige à son œuvre. On l'inflige, son œuvre. Goethe arrive vivant à l'année du coq de feu. Méphisto a veillé pour le non-vieillissement. Un poste décharné que voici se rue à la bibliothèque Sainte-Geneviève, histoire de rafraîchir sa culture scandinave et de signer un pacte avec l'étudiant français de son choix. La Juliette de Sade, lassée du temps passé à jouir, choisie avec hésitation entre les bas et les soutiens-gorge de Margarita ou d'Hélène de Troyes. Mais une Justine du 21e lui conseille le survêt ajusté et les baskets, histoire de pouvoir balader sa bibliothèque gothéenne dans un sac à dos d'utilité urbaine. Voici donc la femme, une guerrière d'Arioste, une joggini qui traverse jeunesse, maturité féminine et vieillesse des grandes reines armées de crocs, parce que presque mortel pour le prestige du pantalon et... Non, et des couches. Couches. Non, il ne s'agit pas d'incontinence, ni verbale, ni physiologique, mais des protéchips d'Hélène, monstrue soumise aux lois terribles de l'hystérion. Hippocrate, tu la tiens? Une armée d'épées jetant des couches menstruelles sur un machiste qui aime Mozart. Qui est sauvé in extremis par les chars arc-en-ciel qui est acteur et s'est fait passer pour une tortue. Bien. Non. Ceci étant une excroissance dada romantique qui joue à la marelle, tracée avec une craie issue des lumières sur un marbre andalou. Grand pour savoir. Oui, mais bon. Ça rattrape. On commence. Si tu veux, mais attends. Elle ne soit pas trop maniaque pour le coup. Toi. Vas-y. Ah, c'est appuyé. Ah, c'est raté, pas ça.
Werther est place à Saint-Pierre. Mais des chuchotements lui lèchent l'oreille. Ne crois-tu pas donc, sérieusement, qu'il va t'accepter? Qui parle? C'est Méphistophélès. Je te conseille de plonger jusqu'à moi dans le brasier des délices. À 1000 pieds au-dessus du ciel, trop doucereux pour ton caractère d'amant désœuvré.